Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler sur les patients qui sont suivis pour la goutte et les précautions à prendre concernant les facteurs nutritionnels pouvant aggraver leur maladie durant ce mois sacré. On rappelle que la goutte est une maladie chronique fréquente liée à l'augmentation de l'acide urique et dont la manifestation clinique la plus caractéristique est une inflammation du gros orteil. Le traitement de la goutte repose sur, bien sûr, les traitements médicaux qui permettent de diminuer la concentration en acide urique sans omettre aussi l'intérêt de l'adoption d'une bonne alimentation qui est pauvre en acide urique. Ainsi, les patients souffrant de goutte doivent éviter la surconsommation en protéines issues de viande rouge, d'abats, de certains poissons comme les sardines et les fruits de mer, diminuer aussi les plats à base de légumineuses comme la harira et certains légumes comme les brocolis, les asperges ou bien les épinards qui augmentent l'acide urique et déclenchent les crises de goutte. Aussi, ces patients sont priés à avoir une bonne hydratation à raison de 2 à 3 litres par jour pour éviter toute complication liée à cette maladie, notamment le déclenchement de crise douloureuse ou bien le dépôt d'acide urique au niveau des reins. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.